Salut, salut, mes petits pèses bonjour, nous nous retrouvons donc pour la suite de Ratchet & Clank. Le live commence super tôt parce que hier soir, à cause d'un petit ennui, j'ai pas pu live parce que mon câble bah, était foutu pour mon Wii U Gamepad, donc j'ai pas pu faire des ATP. J'en ai commandé un nouveau, mais pour attendre, ça m'a dégoûté, j'ai pas pu stream, je suis super tôt. Donc voilà. Ça fait vraiment chier quand même. Allez, let's go. Je suis en train de vérifier des trucs. Non, je vérifie des trucs là. De vérifier des trucs là. Comment allez-vous sur YouTube? Nous trouvons pour la suite de Ratchet & Clank. Je fais des cartons là. Je pense que ça va être bon maintenant, ouais, je pense, ouais. Je pense que ça va être bon maintenant, ouais, je pense, ouais. Voilà. Je peux monter l'onglet de mon micro, et voilà, c'est bon. Enfin, je devrais passer une petite perte de temps, mais... C'est toujours chiant d'avoir des bons réglages pour chaque truc. J'en étais où moi dans tout ça hier? On va baisser un peu le son de matériel parce qu'il est un peu fort. Autant que ça en fait. Ah, j'adore le Gohamin, c'est... De la chute. Le couche-panier. J'ai fait le chemin à gauche. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Le reste, pas besoin. Ah, le Gohamin. L'amour de ma vie, cette arme. Chiant, tu peux pas les bourriner, les mobs là, ils sont invincibles pendant leur frame. Ils ont des frames d'invincibilité après juste les toucher.
Bon, hier j'ai dû arrêter prématurément le live. Hein. Oula. Oula. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que le jeu me donne des potes compétences pour des actions que je fais forcément, quoi. Regarde, là. Là, je l'ai déjà eu hier, mais si tu tues tout le monde en faisant ça... donner un peu de compétences. Voilà. Salut Amaru. Je live très tôt aujourd'hui, bah parce que hier je me suis couché tôt, donc je suis vais tôt, donc je me fais chier, donc le live est tôt. Enchaînement logique des choses. J'ai un peu de commencer, t'as rien loupé. Ah non, hier je suis allé me coucher tôt, j'avais rien à faire. J'étais pas motivé à stream. Là, connard! Ah, je déteste ces piafs, ils ont une box de merde. Il est tombé dans le vide. Toi tu meurs. Je vais te réveiller toute la compagnie. Merde, le mini est trop loin du mob. Allez, venez vous suicider! Comme des abrutis! Oh l'enculé, il arrive à m'avoir de là! Oh, le mob.
grand chose. Non, il n'y a pas d'autre passage. C'est l'entrée. Non, il n'y a pas d'autre passage. Rebonjour à vous tous. Ici le président suprême Drake pour vous informer de notre évolution. Nous avons trouvé l'orbite parfaite pour notre belle planète. Une orbite qui nous permettra d'avoir une température optimum toute l'année. Cependant, une planète occupe actuellement cette orbite idéale. Et hélas, pour ses rares habitants insignifiants, elle doit être détruite. Nous avons donc conçu ceci, le Dévastoplanète Maximus. Un appareil capable de faire exploser une planète en particules subatomiques. Nous en sommes assez fiers. Voici comment il fonctionne. Il faut fixer le Dévastoplanète au vaisseau, le mettre en orbite autour de la planète, et c'est parti! Badaboum! Plutôt ingénieux, non? Une fois que nos techniciens qualifiés auront mis la touche finale... Technicien qualifié! Tout sera au point. Merci, et au revoir. Technicien qualifié, t'es sûr de ce que tu dis là? Faire exploser toute la planète, mais c'est trop nul! C'est ce que je n'ai pas cessé de te dire. Hé, moi celui que je veux avoir, c'est Quark. Mais si on peut aussi choper Drake dans la foulée, c'est cool! Quoi? Tu y tiens. Hé, me cherche pas, hein! Je peux être méchant, mais bon. Technicien qualifié, quand tu vois comment il se casse la gueule comme un con parce que le mec est pas capable de regarder derrière lui. J'ai du mal avec le technicien qualifié. Un peu de mal. Sinon, le son il est commun à Maru, vu que j'ai fait quelques petits réglages encore. Parce que quand j'ai regardé les rediffs, merde, le son du jeu était vachement bas, je trouve. Ok, oula. Où est l'accès de ça? Ah oui, l'accès est tout là-bas en fait. Non, parce que hier j'ai recruté Rediff, le son du jeu était bien trop bas, mais la son de voix était bien. Là, j'ai remonté le son de jeu pour qu'on l'entende mieux et j'ai remonté le son de la voix. Comme ça, pas de problème. Oui, j'ai fait le tour comme un grand con. Je m'en fous du truc à boulon. À l'heure actuelle, c'est pas ce que je recherche.
C'est le genre de truc que je cherchais. Ah bah ça s'est ouvert en fait. En activant l'autre chemin, ça s'est ouvert. Okay. Un peu emmerdé à faire tout pour rien. Hop. C'est bon, on peut se casser maintenant. C'est sûrement le vaisseau qui va transporter la bombe. T'as trouvé ça tout seul, Sherlock Holmes ? Un chemin pour aller à la droite, un chemin pour aller à la gauche. Ton upgrade propulsé par te permet de mitrailler en vol plané. Appuie deux fois de suite sur la touche R1 pour activer le vol plané et utilise les touches L. Bah alors ? Bah messieurs ? Et messieurs, venez ? Ouais, ça rapporte que 4 boulons. Ah, un point de compétence. Je m'en suis toujours souvenu qu'on prend compétence. Je sais pas pourquoi ici, si tu massacres tout le monde, bah t'as un point de compétence. C'est pas super dur à avoir. Non, le jeu il m'a break. Chier. Le jeu il m'a break sur ce coup. Il a l'air d'avoir un chemin de merde, il a l'air d'avoir un autre chemin de merde. Sur la zone, il faut l'hydro-déplaceur. Hein.
Je crois que c'est peut-être pas assez haut. Ah non, c'est pas du tout assez haut là en fait. Bien, je mets ça où après? Cool, mais je verse le où après? Ah d'accord, il y avait un truc derrière. Je l'avais pas vu. J'ai loupé cette salle. Au moins ici je n'utilise pas beaucoup de munitions, je me refais un stock de munitions. Avantage. Poupée, quoi de neuf? Bonté divine! Tu dois être un vrai petit ange! En fait, je suis un petit robot. En plus, tu es marrant. C'est un robot clown. Il a fait l'école du rire. Toi, attention. Je pense que j'ai quelque chose pour toi. Aimerais-tu un upgrade hydropack? Cela serait très pratique pour nager sous l'eau. Blablabla. T'es jaloux d'un robot, mec! T'es jaloux d'un robot! Et voilà, mon petit chou! Tu es superbe! Merci, mademoiselle. Vous êtes très jolie et vous avez beaucoup de talent. Allez-y, faites comme si j'étais pas là. Jaloux? N'hésite pas à revenir me voir quand tu veux, bébé. Pour nager, tu seras automatiquement équipé de ton hydropack. Il te permettra de nager à contre-courant.
J'ai activé un truc, mais je voulais retirer dessus, mais ça n'a pas fonctionné. Je peux arrêter de me faire violer, là. Oh, j'ai fait deux pas, j'ai pris super cher. J'ai pris aucun dégât de tailleur et là, je prends full dégâts. J'ai le droit de vivre ? Bon, je suis très haché ce matin pour jouer à Ratchet & Clank. Point de vie. Alors, faut deux coups pour mourir, ces enculés. Ah, respirer au canon, c'est mieux. Oui, point de vie. Oui. J'ai dit mais merde, pourquoi j'arrive pas à m'accrocher? Allez les petits gars, massacrez-les tous! Ah, j'ai une passe rémunition sur le machin. J'ai envie de me faire exploser la gueule comme tout à l'heure. Moi, ça one shot. Nous arrivons trop tard. Le vaisseau part. Regarde, là-bas, il y a une vieille tourelle de défense. Hé, hey, est-ce que tu penses la même chose que moi? Sincèrement, j'en doute. Et il y en a beaucoup trop de ces enculés là qui me tirent dessus. Eh, vous allez vous calmer les gars.
Voilà. Le dévastoplanète s'est fait dévaster. Messieurs, vous allez devoir accomplir une mission très dangereuse. Muni d'une grosse artillerie, nous allons attaquer par surprise, depuis notre nouvelle base lunaire, une planète totalement désarmée. Jusque-là, ça n'a pas l'air très dangereux. Cependant, les ordres sont simples. Détruisez tout ce qui bouge. Volez les générateurs d'énergie de Gorna City, puis détruisez même tout ce qui ne bouge pas. Oh, et puis surtout, profitez-en. Nous devons atteindre la base lunaire et arrêter Drake. Non, non, on doit aller sur la base lunaire pour trouver Quark. Si jamais Drake est là-bas, Quark est sûrement avec lui. Mais Drake est sur le point de détruire cette ville. Nous devons nous rendre à la base. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que j'ai dit. Bien. Le mec qui veut toujours avoir le dernier mot. Il me reste encore un passage à faire. Je m'attendais pas avec des mecs débarquent en fait, donc je me suis fait niquer en beauté. Voilà. Ah, mais c'est une zone chiante ça! Venez! Je déteste cette zone. J'aurais jamais activé cet interrupteur. Comme je viens de le dire, j'aurais jamais activé ce putain d'interrupteur. Ah putain, j'ai toujours du mal avec cet interrupteur de merde. Je sais pas pourquoi. Toujours du mal. Mais non, pas toi! Putain, quand j'ai des bugs comme ça, ça m'énerve. Ah, tu parles pas beaucoup ce matin, Maru. Encore à moitié endormi. Ça peut se comprendre. Ça jette un froid cette chute. Bon, ça va, je recommence de là. J'avais peur que chaque point soit horrible, mais ça va. Non, mais lâchez-moi, les gars, j'ai pas remonté. Lâchez-moi l'anus.
mais non. Tu triches le jeu. Je m'étais rattrapé. Y a-t-il un problème, monsieur? Vous avez pas des pièces détachées, par hasard? Serre-toi, fais gaffe chez toi. Quel satané caillou! Je n'arrête pas de casser ma foreuse. Ce caillou, c'est du rare itanium. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Waouh, la super classe! Je te revaudrais ça, merci, vieux. No problemo, mon costaud. Dis donc, tu permets que je te débarrasse de cette maudite roche? Tiens, elle est à toi. Ah, j'ai même pas besoin de payer pour l'avoir. Cool. Ça m'arrange bien, surtout que ça va me faire 5% de remise chez Gadgetron. Donc, Salut, Mekai. Je vais aller à Pokitaru pour aller chercher ma réduction. %, ça pas grand chose, mais 5% de 50 000, t'es bien content. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Vous m'apporterez plus de raritanium. Ce sera sans moi, mon petit gars. Bah, eh ben, j'aurais essayé. Le persuadeur est un dispositif vendu sur le marché noir qui incite le vendeur Gadgetron à accorder des rabais importants sur tous les articles. Gadgetron compte sur toi pour ne pas utiliser ce dispositif illégal. Gadgetron compte sur toi pour ne pas utiliser ce dispositif illégal. Ah, l'assistant troll. Ah, tu portes tellement bien ton nom d'assistant troll. Salut mec. Ah non! Ah non, c'est pas 5%! C'est 33% de réduction! Ah oui, c'est 33% de réduction à chaque fois. Ah oui! Ah ouais, quand même! Ah ouais! Ah, j'avoue que... Ah! Le train ne m'intéresse pas pour l'instant. Ah oui, quand même, 33% de réduction. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Ah non. Ah, je pensais que c'était juste 5% à la con, mais non. C'est 33%. Ah, ça vaut le coup, hein. Ah oui, quand même. Ah ouais. Je m'attendais pas autant. Je ne savais plus que la réduction était aussi... grosse. Il est temps d'honorer ta nouvelle mission. Oh, quelle magnifique photo de votre nouvelle navette. Super idée. Stupide crétin attardé. Ben quoi? Tu vas prendre cette navette pour aller à la base lunaire et piéger ces deux pauvres minables. Oh, bien sûr. C'était qui déjà? Oh, c'est de là. Ah, mais oui. Il y a juste un petit problème. Je suis trop exténué pour le corps à corps. Je sais. Et c'est pourquoi je vais te prêter mon spatio-jet. Tu sais encore piloter, non? Marché conclu. Tu auras accès au spatio-jet à ton arrivée sur la Lune. Et si tu es chaud, tu peux dire adieu à mon sponsoring. Mais ça me ruinerait. Vous n'oseriez pas. On parie. Elle rappelle les trois mecs.
T'es quand même con, Quark, hein. Je n'ai pas vu le vaisseau de Drake, il n'est plus là. Ah, qui sait où a filé Quark maintenant? Hé, hey, si on veut choper ces deux-là, il va nous falloir un vaisseau plus rapide. Il y a peut-être un tel vaisseau dans cette station. Bah, puisqu'on y est, jetons un coup d'œil, petit bonhomme. Y'a pas de nouvelle arme? J'ai une super affaire pour vous. Le gant à l'orbe sert à rien, j'ai pas envie de l'acheter pour l'instant. Faudra que je l'achète parce que voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis pas très motivé à acheter cette arme de merde. Est-ce que je peux détruire le truc? Tu contrôles les champs de force. Pour les détruire toutes, tu vas avoir besoin du dévastateur ou du bon gadget. Ouais, je peux les aspirer. Envie de m'emmerder. Allez, venez là, mes petits. Petits. Voilà. Bonjour monsieur. Hi Shago, it's a Ratchet & Clank Collection Piece 3. It is an action adventure. Ok. Voilà. Aïe. Euh...
Là, il y a un passage ici. Il y a un champ de force. Comment j'y accède? Avoue que je nous suis comme ça. Thank you.
Oh non, ça ne dérange pas. En fait, j'ai plus envie de dessiner, lol.